auditeurs, deuxième partie. Et Singapour n'a pas de Tongualelo. Nous commençons une nouvelle semaine, un nouveau défi. Bande Koubalandi, merci infiniment à la fidélité. Nous allons parler de la crise au sein de l'Union sacrée après l'application du gouvernement, en tout cas de la première ministre. Nous allons, avec l'équipe dure de ce matin, les inviter au bazar de la mission à Tongualelo, essayer d'analyser cette situation qui se déroule. Est-ce que ça a été fait à dessein pour justement faire partie certaines personnes que le pouvoir estime qui ne sont peut-être pas aussi assez influentes? Nous allons nous interroger justement autour de cette question. Gouvernement Soumina 1, en tout cas, les débats, c'est autour justement de la composition. Beaucoup de gens qui ont par exemple atteint le nombre de ministres tel que ça a été annoncé, n'ont malheureusement pas été repris sur la liste, donc n'ont pas fait partie de la composition de l'équipe gouvernementale. On va avec vous analyser cette question. Pour en parler ce matin, j'ai le vrai plaisir de recevoir trois invités, Nathan Walelo, Isali Bongo, Neko, Cédric Dengue Bongo, communicateur Toba Kadria AFC. Maître Cédric Dengue Bongo, merci. Merci Ndeko Bonheur, merci Naba Ndeko Nyons, émission rendez-vous des auditeurs. Na pesi ba mbote bisi kabazwami, et puis na pesi mbote na kumwe ekolo, mais aussi na grand esprit et puis grande intelligence de la République, le procès modeste Bati Lukwebo, na ba Baptiste Nyons, bisi ka o ba mbazwami. Ah, la Baptiste? La Baptiste, oui. Donc, moi, je suis en train de faire un peu de temps pour injustice et puis insécurité à la police. Et là, la police a commis à tirer la population dans Tchango. En cas d'opération Panthère Noir? Oui, effectivement. Et puis, commis à créer une sécurité pour la population. Parce que les lots qui sont dans Tchango, ils ont commis à créer la population, mais forcément, ils ont dit non. C'est-à-dire, Amou Nortine. Et c'est d'amour, ce sont des informations que les policiers ont créées dans la chambre. Tout sur l'option Bali. Claude Ngomazo a été Madame Sarah Soumbé a été invitée. Il y a eu un peu de temps. Bon, à ça, il y a eu un peu d'empêchement. Je pense que les partis, ce n'est pas seulement les procès modestes à Bati Lukwebo. Il y avait les secrétaires généraux ou un représentant qui était morale, oui. C'est là qu'il y a. Donc, l'AFDC, tout à l'heure, s'est porté correctement, malgré l'injustice, tout à l'heure aussi. Mais vous êtes toujours loyal, fidèle, intégré, envers le chef de l'État. Vous savez, ce n'est pas du nouveau Babylon Koto vivre, vraiment. Nous, on a mouillé les maillots. Aujourd'hui, quand Batoubabing a les procès modestes comme architecte de l'Union sacrée, ce n'est pas un nom pour faire plaisir à l'individu. Je mets les tweets si tu peux. Pour faire rire, il y a du monde qui dit pourquoi la communication a mis à l'équipe à animal pour changer à tout moment. Effectivement, nous sommes une formation politique assez importante dans le cannabis. C'est-à-dire, AFDC Ali, un micro-parti qui est représenté par exemple la commune de province, c'est l'étendue nationale. Tant que vous présentez le procès, on est, ça va être présenté dans la grande éloquence. Il représente les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et puis aujourd'hui, AFDC, nous avons des élus à tous les niveaux pour les élections de Kendaki. Donc, on a subi l'injustice à plusieurs fois. Vous savez, dans le gouvernement passé, ministère de l'économie et Kenda, Ezaki Nabiso, ministère de portefeuille et Kenda, il y avait nos mandataires, le gouverneur et Bélé, réclamer en côté. Aujourd'hui, cette injustice, elle est toujours au continu. Là, on a la base d'injustice, on a selon Bino. Bon, moi personnellement. Est-ce que les autorités à référence. Ou beaucoup bien chef de l'État. Non, je ne vois pas que les chefs de l'État comme un bon père de famille, un bon partenaire, auto-vivre pendant très longtemps. Il n'a jamais collé ça, acte moral des amours à l'égard. Mais sauf qu'il y a certaines personnes aussi qui entourent les chefs. Il faut Mikamakambu et Salamaka. Parce que vous savez, le quoi gouvernement, règle DG, c'était défini en amont. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont parti tel bakozoaboué ou bakozoaïdo côté tel. Si il y a des organisations pour n'abattoumoussou sovali ko servi na nengé amabe, tu as liko konané fomba ba artoan. Merci beaucoup. Maître CD qui vient le bon tour, t'en as maman à l'icam. Merci beaucoup. Donc, Claude Ngoma, des jours téléphoné les quittés.
Babi, vous avez ça, matanga et tout ça, vous avez qui primature et vous avez un sport, vous budget, Babi Timino sous 12, comment vous appelez ça? 12. Mais est-ce que c'est vrai que vous avez le gouvernement? Bon, d'abord, Nako, Bande Koto, Solana Bango, Congo, Natongo et Alelo. Et Bauditeur Nabiso, il y a Ralik, FM, on a PC Bango Pemboté et on a tombé le Bango Bolandi Malam. Alors, dans mon tour, on a eu, tous les deux, les lourdes. Pourquoi? Parce que Nouvel Élan, tous les deux, une grande formation politique, où il y a tous les deux, continué l'île Nabiso, il y a résistance. Ah, ils ont opposition, t'es? T'es, tous les toujours, ils ont tous opposition républicaine. Ok, mais en même temps, on a résistance. Oui, mais en même temps, vous résistez dans l'île. Maintenant, vous courez en zalité. Moi, il y a comme 1000 francs. Moi, il y a plastique. Il y a comme 1000 francs. Moi, il y a carburant à pompe. Les zalités. Biloko et Mati. République est comme une balabala. Vous voyez, je suis quand même là. Vous savez qui va avancer. Puis nous, vous avez comme ça. Vous pouvez prendre un bouquet de la note. Excusez-moi. Vous pouvez prendre un bouquet de l'émission. Non, 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 non. Donc, vous avez les clins d'été. Mais sauf que, opinion. Ah, il y a un problème, il y a qu'on concevoir opposition, il y a un nouvel élan. Ce n'est jamais radical ou radical, non. Ce qui va prouver ces alliés, tu vas qu'on féliciter, qu'on soutenir, pourquoi pas aussi qu'on proposer. Mais tant qu'on va aborder les objets de ma temps en contre-temps. Donc, position à venir, c'est quoi, besoin de l'opposition à venir? C'est toujours une opposition, raison pour laquelle tu soutenais avec Mme Napessie Mbote, Mme Dominique Mnongo, le deuxième rapporteur. Te soutenir qui est donc sauf qu'un parlement comment on a qu'un nouvel élan ils allaient inscrire la liste et bah parti il y a opposition et donc c'est une bonne réponse que nazo pesana auditeur le loba et bah que par au bal au nouvel élan ils en a union sacrée tout pending bah mais ça n'a qu'au loba yango et te est-ce qu'ils a solo que vous avez qui causez le côté bon de quoi c'est n'a qui est bah traction et salé maki bah causez la moi pas n'a venu à gâteau. Parce que si on vit comme une union sacrée, on va faire que constamment, par exemple, il y a une union sacrée, mais le nommé ministre de la justice, ancien allié, il y a Jean-Claude Bandi, Mme Sarah Soumbe, et c'est un peu plus que la zone, il y a allié dans la banque de la DIPO, il y a un allié comme ministre de la justice. Bon, on va s'occuper d'une union sacrée, mais on va continuer à s'occuper si on va s'occuper d'une opposition républicaine. Vous croyez pas avec les gens de l'opposition républicaine, le lendemain, on a bien. L'opposition républicaine na Congo égale être dans le jeu. Tous les qui kokanisa était moi en boka Constant Mutamba avec qui na biso na opposition mais alors que a évolué donc dans le bandin a changé té na lo lengue il y a ko sale la politique na ye parce que Dipro il faut que Constant Mutamba abimi na bantrai ya Joseph Kabila a outa na FCC a basculé à ye. Au nom et à opposition, mais tu vois comment on a déjà que comment quelqu'un qui est de l'opposition a se retrouvé qu'il a deux nominés Nakatia Seni. Et donc, je dirais clairement qu'il était déjà en mèche avec le pouvoir. Comment on a eu l'élo Bassel et Garde de Sceaux, ministre de la Justice, n'a tombé les bonnes chances, félicitations naïe, mais il y a mon kaibinding ya Zuyango. Et donc, nouvel élan, Totika n'a jamais causé la demander, il y a poste moko ministériel. Non plus ma solo peut vendre na mesa poto kabolagato, je ne vois pas. Déjà, Bango Moko Bazali, 470 députés, ils se disputent le butin de guerre. Alors, biso nouvel élan. Ah, mais, tout ça, n'est-ce pas? Oh, Bango Moko Bazali, pas kamati. Bango Moko Bazali, kabolabango, les lots, ils sont entre-déchirés. Mais bon, nous vous félicitons qui Félix, c'est qui dit. Oui, tout félicitons qui est parce que Congo Koko Koufate, Kadima Betari Bordir National, a nommé bateau. La volonté naïe. Mozito Azaki Eli. Mais de quelle élection vous avez banalisé? D'abord, Mozito Azaki Eli. Mozito Azali député. Bah, il n'y a pas nommé qui? Mais ceux qui ont lobby nomination, tous autres à la généralité, non? Tous autres à la généralité. Il n'y a pas y compris, hein? Mais Bango Nyonso Bazawana, Toye Bindengenini, il est Kanaki ma pronomination. Y compris Mozito. Mais je vous dis, je m'assume, c'est une analyse autocritique. Bah, non, mais c'est pas dire qu'il y a rapport à Azaki, on a pouvoir. Non, 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 c'est-à-dire. Élection au Kadima Yemouka nommé. Ce qui est qui était que les camarades Adolphe Mozito étaient en mèche avec M. Félix Tshisekedi. Au lieu de moi, on a la nomination, on a fait ça, moins bon nombre de députés pour nous faire valoir la bonne santé politique. Mais tout ce qui est à côté, tout
tondimi tout continuer à lutter dans son opposition. Mais aussi l'opinion doit retenir que l'opposition en RDC est le pluriel. Bisotosa en opposition parlement institutionnel, il y a un autre lobby toi bas républicain, mais opposition peut moussous y a balaba les alliés. Radical. Merci beaucoup, Ndeko. Dis-moi que tout à la bonne. Vous avez qui côté, vous avez le côté. Vous avez tête et le côté. Vous avez le côté. Vous avez le côté. Vous avez le côté. Vous avez le Pas si à Congoman il est l'autre. Ce bazar a besoin d'un nouveau cabinet. Et pour tout le monde, tout le monde, Bogoya. Ce qui bazar a besoin d'un biso, tu as aucune même condition de définir la politique publique à mettre en place pour épier ça, solution le problème de base de nos concitoyens. Merci beaucoup, Ndeko Claude Ngoman a appelé Kazali, cadre et à Nouvelle Lyon. Il y a Adolphe Mozito. Madame Sarah Soumbi Mbote Nayo, merci de la présence de la Tongo Alelo. Plateau et longo. Bolim Bissara Mouki n'a pas un peu grippé. Peut-être qu'à tout moment j'aurai du mal à parler à autre. Merci Bande Kouba et comprendre. Alors, Bande, encore sénateur, de comment habite numéro député national. Ah, député provincial, à Zouaki Pé? Bien sûr. Député provincial. La partie n'a pas non, ADH. Oui. Il m'a fait député, est-ce que sénateur? Vous avez fait candidat gouverneur, hein? Non, non. Ah, député provincial, député national, sénateur. La partie en Bimbaka, il m'a dit à Zion, ce ministre, toi, là, tout le monde, vous en député, monsieur. Bon, non, il y a un mot, non, mais il y a un bon, là, comme on a, au lieu de s'en ramouquer, si ça sera possible, que ça sera moins temps, ok? Parce que qu'on a dénoncé, moi, moi, en Brésil, quand à l'Équateur, désormais, je me suis engagé. Après réélection, il y a Nekobo Boboloko. Je vais arriver. Boboloko Bolombo. Je pense que je dois vraiment apporter ma partition pour la recevoir province Nanga parce que je me dis que c'est une obligation. Toyebi Kene Ochuloba, Boboloko Azaki, réélit, n'a de fata terminé comme gouverneur. Mais, personnellement, même le président de la République, là où il est, a ébi Kesa en position. Parce que le président de la République, Azaki, na province Équateur, précisément dans Mbandaka, quand on va venir la campagne, place au Boloko Baloubara, tata gouverneur Yoya Kana Noir. Il s'agissait de M. Boboloko. Et le président de la République était témoin. Comment est-ce que la population équateur va décrire que en fait, la gestion de M. Boboloko dans la province de l'Équateur. Il y a même des gens, oh, bah, parce que ma vidéo est allée, ils ont dit qu'on a été. Ils ont dit que le président va dire qu'on a dit qu'il y a un peu de temps pour sortir qu'il y a un Bobo. À l'Équateur, a mis comme ça, je ne sais pas, donc une personne, une autorité qui prend des décisions ou case pour na, au fait qu'on fustiger ou encore, non, je vais dire, pour souffrir, pour faire souffrir la population de l'Équateur. La décision au-delà de ça, yo, oh, au-delà de non, ça, il faudrait illustrer. J'arrive, j'arrive. Alors, à part Oana, j'étais à l'Équateur au mois d'août. Il y a eu un monsieur. Autour de ma décision, maintenant je vais vous les démontrer. Un monsieur au nom de M. Mwamulanda, qui est professeur. M. Boboloko, ceux qui n'ont pas oublié, ils ont dit qu'ils sont en parce qu'ils ont dit qu'ils sont gouverneurs provinciaux. Et qu'ils ont tout à l'heure, ils ont dit qu'ils sont en chauffeur, ils ont dit qu'ils sont en garde du corps. Ils ont dit qu'ils sont en bombier sur place. Chauffeur la garde du corps, Kimi. Un jour après, il va récupérer Moutouka. Corps et Moutou, et à papa, wana, il est professeur en Mbandaka, dans le Makambo, on a Zala qui connaît sur place. Et il y a qui, quelques temps, après, il s'est en Bakine. Papa, si madame peut utiliser les conditionnels. Non, je n'ai pas dit ça. Les conditionnels. Je n'ai pas dit ça. Nalobi, si, j'ai bien dit si. Allez-y. Et, jusque là, même si. Même si. Ce n'était pas lui, mais il y a une autorité à province Ouana. En fait, l'enquête est salée à niveau Nini. Jusque-là, affaire Ouana Kenda, Bongo. Quand on tourne la gouvernorat, tout le monde en a à la tête, c'est M. Boboboloko. Mais cette affaire est partie comme ça. La deuxième des choses, il y a une dame, je pense que Mme Gisèle, garde du corps, il y a M. Boboboloko, à Beta et Massas na Wenze Moko. Garde du corps, il y a M. Boboboloko. Ah, ok. À Beta, Mme Ouana Massas, plus de 7 balles. Pony. Je ne sais pas. Pona ou Pona, quel que soit le problème, il ne peut pas.
Et garde du corps, on a tilelo, azarana sima, atambola, on a mis ses bouboulos. Est-ce qu'il y a un problème à Bobo? Non, papa, même en termes de morale à Moutou. Moi, je ne pense pas que Yono Zabongo, au cause d'un garde du corps, ou à qui a bomi Moutou, ou y a du fait qu'à bomi Moutou, mais au continuer pour garder la moussala. En termes en fait, il y a morale. Pas ça, ça autorise. Non, tu as vu que la suppression, mon maman a accueilli ça, mon cousin. Même si. Avec ça, la mon avait parce que la dame n'était pas Azaki, même pas place, mais c'est beau au boulot. En fait, je l'ai dit avec beaucoup de précision parce que je suis de l'Équateur. J'ai une famille qui vit à l'Équateur. Qu'est-ce qui se passe de temps en temps. Alors, ça, c'est... Laissez-moi parler. Non, ce mais non, on n'aura pas tout le temps de parler. Non, mais j'ai fini. Maintenant, c'est ma joue à taille et belle. Je l'ai même pas fait 6 minutes. Non, il faut. Et au-delà de ça. Allez-y. Nous savons tous que M. Bouboloko, en fait, n'a pas les compétences en fait, de diriger une très grande province, la province à l'Équateur. Et quand je le dis, si ma cambo y a Boma, ou soit il y a Robert Rabatou, ou Pexa Batoubaloba, d'ailleurs, l'homme, tu l'as inventé en hôtel. Peuple, il y a mon corps, il y a président de la République. Et ici, là, il y a président de la République. Excellence, monsieur le président de la République, vous n'êtes pas redevable aux individus, mais plutôt au peuple, Batou, va voter qui vous. Si vous allez accepter la réélection de M. Bouboloko, je sais que vous n'êtes pas la justice au fait. Mais ceux qui vont élection les côtés de la et que M. Bouboloko va investir comme gouverneur, je pense que toutes vos promesses à l'égard de la population et à l'Équateur, ça sera en tout cas rasé gratis. Et je pense que pour le mandat, ça sera aussi. Nous avons appris que Ndeko Bainde a monté une équipe pour combattre Bouboloko à travers des pétitions, de quoi. Bon, c'est pas ça, c'est un autre problème. Mais Lelo, l'élection est salémie. Vous n'avez pas compéti, pourquoi l'avoir gêné? Ce moment-là, que vous avez même à répondre en tant que population. Je ne parle pas ici en tant que politicienne. Je parle en tant que citoyen de cette province-là, originaire en fait. Ah, on a salé ni dans la politique. Casquette dans la politique. Loin d'être en fait quelqu'un qui travaille auprès de Bainde, mais en tant que originaire et à province. Merci beaucoup. On a rappelé que Mme Sarah Sembezali, porte-parole nationale, il y a ADH et à Jean-Claude Bainde. Dans le Baki, il y a mon co-député national, il y a mon co-sénateur, il y a mon co-député provincial. Dans la partie, il y a mon co-député. C'est finalement les animes. Bon, vous présentez ma candidat, vous souhaitez. Déjà, il faut savoir que non, on avait présenté ma candidat, mais qu'on votait, on tous c'est en fait, ça reste. Ils ont fait hasard. Hein? Non, ils ont hasard fait. Ils ont choix où le peuple et mon co-apporte, quand on a monté, il y a voté. Et je pense que je ne sais pas si une fois vous étiez déjà à l'Équateur, il faut que Jean-Claude Bainde a l'honneur de l'invité, il y a population, il y a l'Équateur. Et au-delà de ça, je ne pense pas, bon, peut-être que nous avons un ignorant, mais nous avons la constitution, nous avons jusqu'à là. Peut-être que le roi de l'Équateur, il faudra changer, modifier ou réviser, je ne sais pas moi. Peut-être qu'ils vont voir. C'est là à comprendre qu'il y a une autorité morale. Il y a mon bon sénateur. Mais il a postulé. Il a un moyen pour la au-delà de ça, il y a mon côté à siéger en tant que député provincial, député national, député et sénateur. Azan a basiplé. Même pas. Parce que ceux qui ont dit bon, on sait qu'il y a un moyen à basiplé. Allez, on va aborder une autre question. Il y a un moyen à. Nous, vous avez le ministère père. Non. Mais quand même, vous félicitez l'ancien allié de la Bino, Constant Moutamba. Vous félicitez. Vous avez le ministère qui dit qu'on a eu le mot. On ne peut que féliciter, puisque vous avez un problème là. Toujours un vieil, peut-être, ou il n'a rien pété. Vous félicitez qui? Mais bon, je vais profiter dans ce salon. Ah, félicitations à lui. Alors, oui, le bac qui est, où il y a la sérité. Ça, c'est en fait. Bon, je vais dire ceci. Je nommé en tant que ministre de la Justice à peine. En tout cas, nous, Yébinga, ceux qui constamment ont massacré, ils m'ont besoin de battre un peuple entier. Je vais venir ici. C'est dans le vide, c'est là, dans le vide, hein. Ça, c'est autre chose. Nous sommes à côté aussi de l'Oba. Ah, constamment ont massacré. Mais vous avez un jeune qui a des ambitions démesurées. Moi, ça, la réalité, il est prêt à tout pour la rejoindre, pouvoir. Ça, c'est un fait. Et c'est une évidence. Mais au-delà de ça, il est, je pense à ça, je reste, hein. Alors. D'ailleurs, bon, là peut-être je vais arriver dans le temps où on va aborder ce sujet. Mais en tout cas, félicitations à lui, à Salafa Ani Moussala, à répondre à la battante à peuple, parce que le président de la République avait dit que la justice de notre pays est malade. Et donc, s'il va faire un effort de pouvoir relever les défis, ça sera une très bonne chose. Alors, de procéder qui vient le bon moment. FDC Abaza après, il y a pour quitter Bakou et Union Sacrée, après publication au gouvernement, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? FDC et Ali Lingomba politique qui est très organisé. Il y a une autorité morale et puis
secrétariat, puis collège et président. Pour vous dire que aujourd'hui je ne peux pas engager, dire que la FDC est prêt à quitter, toi non, nous attendons le mot d'ordre, l'autorité morale. Il va se prononcer incessamment. Mais ce que nous déplorons, c'est comme tout Congolais, c'est comme dans ma formation politique, nous sommes aussi, il y a des revendications. Revendications au stade actuel, ce n'est pas seulement FDC et ses alliés. Tout le monde peut dire que nous sommes bien, même MNC et consorts, beaucoup de partis politiques. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que Tshisekedi n'est pas un partenaire sincère? Ouais, donc, dire que Tshisekedi n'est pas un partenaire, c'est un non sincère, il n'a jamais prouvé acte ou non. Par rapport à beaucoup déploré, lui, partout, beaucoup déploré, par exemple. Vous devez savoir que le chef de l'État, il a attribué des responsabilités aux individus. Ce n'est pas le chef de l'État. C'est lui qui a approuvé, c'est lui qui a signé l'ordre. Dans le cas, quand le chef nous a renvoyé la primaire pour notre choix à l'Assemblée nationale, c'était à nous les acteurs de définir le cadre rédigé. C'est vrai qu'il n'y avait pas le gouvernement. Il y avait toute une commission qui siégeait pour appeler ça qui soit préalable. Comment le gouvernement a composé? Par exemple, selon la règle prédéfinie, pour avoir un ministère, il faut avoir 10 députés. Ceux qui vous commune à 6, vous avez droit à un vice-ministre. Nous, la FDC et nos alliés, après le dernier arrêt à cour constitutionnel, après la correction, tu as acquis au moins 34 députés. Et puis, il y avait des députés qui reconduisaient qui vont dans la province au électrice à la majorité. Ce qui fait que tu as 38. Okay. Maintenant, au stade actuel, on devrait au moins avoir 3 ministères dans la vice-moko. À défaut, soit tu as 3 ministères. Vous aidez. Je donne l'exemple. Les 5 VPM, les 6 VPM, 5 baoutina lingoma politique moko et c'est mosaïque. C'est déjà inconcevable. Tu es qu'on a un état. Parce que si tu as un article, tu as dit que un état. Sur les 10, c'est déjà 4 bazoko bima espace moko bazoko bima na ningoma politique moko. C'est inconcevable. Oui. Par exemple, le président Vital Kamer, il a déjà les perçois de l'Assemblée nationale, mais on lui a attribué le ministère des budgets. Mais il y avait Toura Bibisonyo sur c'est le procès monnaie, c'est vrai qui bloque parce qu'il voulait le budget, il voulait bouebou. Réponse, il y a moins Ali Namounoko Abatunyo, ce n'était pas les procès monnaie, c'est pas ce qui bloquait les choses. C'était les autres personnes. C'était les autres personnes qui bloquaient les choses. Dans tout ça, vous lisez les articles, non? Il y a des articles qui circulent dans les réseaux sociaux. Il faut lire. Tous nous avons honoré, tous appris. Très coquin de l'élo, de Konangaï, journaliste. L'élo, Toko Seng en chef de l'État. Comme papa et famille, Nakata Libota, Makele les Angakate, papa doit jouer son rôle. Kosengate Babilo Kwanez a la rectifié. Parce que David Konorete, nous faisons des partenaires sérieux. Il faudrait qu'on puisse reprendre carrément l'ordonnance ou qu'on puisse vous trouver une solution. Il y a des rectifications, ça peut se faire, c'est possible. Erreurs matérielles. Ce sont des erreurs qui existent. On peut toujours rectifier ce genre d'erreurs. Parce que je vous dis que. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la FDC. Tout ça, c'est à côté. Vous, nous avons engagé, c'est vrai, la FDC. Mais nous avons dit que nous avons dit une déclaration de part et d'autre. Est-ce que beaucoup de gens ont dit que nous avons dit que nous avons dit? Donc, moi, je pense que en ce qui concerne le retrait où nous sommes de l'Union Sacrée, on a signé la charte de l'Union Sacrée. Nous avons dit que nous soutenons le président de la République. Naibisio, ceux qui te l'ont qui battu à Ningewana. On a mouillé des maillots. On a mouillé les maillots. Maradona. Oui, Maradona, c'est dans l'histoire, il y a football, c'est un meilleur joueur. Il n'est pas un dribbler, c'est un calculateur. Ah. C'est vraiment un calculateur. C'est un bon coach. C'est-à-dire, quand il pose ses actes, ils allaient le coup là, dans un contexte moins difficile où pluralité la partie politique qui a eu l'élection, mais FDC est arrivé à avoir les 34 sièges. C'est déjà un acquis. C'est ça le vrai Maradona.
c'est pas un Maradona au mauvais sens que vous définissez. Non, c'est pas moi. Donc, dis, Maradona, c'est au mauvais sens, c'est-à-dire que... Attendez, vous restez mes potes d'intention. La Nga, il n'a comprendre Maradona, il a l'accident. Il a expliqué qu'il a une meilleure. C'est le meilleur joueur, parce que c'est... Tout ça, Aza Sincère, Nabagé, n'a été obligé que Zapo, Aza, meilleur calculateur. C'est un bon calculateur. C'est tous les autres qui posent en politique et qui n'ont toujours un angle correct. Alors, aujourd'hui, tu sais ce qu'il dit à notre dernier mandat. Est-ce que vous pensez que vous avez encore quelque chose à protéger là-bas, ou Boningo, vous appelez Moussonabino, Moyenabino, Botchabatnabino, pour préparer? Est-ce que c'est vraiment pour l'intérêt de la nation? Pourquoi? Parce que pourquoi ne pas dire, voilà, c'est fait, ou ce qui a été fait est fait, alors on peut passer à autre chose, voir l'intérêt, mettre avant tout l'intérêt supérieur de la nation, et ne pas tenir compte de la détail aux Zoloba. Nous, la famille politique AFDC, ce n'est pas soutirer en termes de matériel au sein de l'Union sacrée. Mais plutôt, notre combat, c'est d'initier avec 32 vies. On a trouvé que beaucoup d'institutions sont allées budgétivement. Il faut donner des réformes et des qualités, parce que dans ces pays, nous souffrons de prendre des réformes. Il y a des réformes, ce que nous enregistrons. Un député, il dort, il se réveille, a créé l'eau qu'on a sans maîtrise, à la personne. Mais nous voulons des réformes des qualités et non des réformes. C'est-à-dire dans tous les secteurs de la vie. Parce que dans notre Tali, par exemple, Congolais, il y a un problème, il y a instabilité monétaire, il y a un problème, il y a transport, ça pose problème, la qualité, il y a un problème. Aujourd'hui, par exemple, quand nous voyons, nous voulons par exemple que tombe la vie à Congolais, mais si par exemple nos dépenses économiquement elles sont utilisées et qu'on fait avancer Mbokaté, raison pour laquelle, même dans notre autorité morale, le procès modeste, était par devant la première ministre, quelles sont mes suggestions? Si c'était une question comment coliter sur le train de vie à Bain. Même taille à gouvernement. Même la taille du gouvernement. Mais c'est Baba Kissa. Non, on n'a pas demandé Baba Kissa. On a juste demandé de respecter la règle du jeu. Parce que sinon, on fait ministère en ligne. Tout ça, un ministère du travail et puis un ministère de formation professionnelle. C'est quoi, vous, c'est bien à monter? Non, non, c'est-à-dire quoi? Selon la règle du jeu, en principe, un parti comme la FDC, on ne devait pas avoir un ministère, soit par exemple un VPM. On devait quand même, par respect, même il y a combat politique. Il y a taille, parce qu'il y a poids politique. Parce que même si vous lisez les règlements de l'Assemblée nationale, au quota on a disposé à l'Ikobake, quota ça se divise toujours en termes de pourrata politique. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre par exemple un économie à Bainé, ou à Zali, l'Inik, et les sept, et l'Iemoko, aux Européens, ça y est. Par exemple, il y a un parti. Oui, je donne, ce sont des cas que nous citons comme à titre d'exemple. Donc, on va dire, non, on va prendre Pino Sacré Ciment, c'est vrai. C'est juste un exemple. La dame peut être sincère, elle dit que non, tu peux qu'on réclame Bisson. Par rapport à point à Bango, par exemple, Bisson. Toi qui déclarer parce que c'est-à-dire il y a d'autres formations politiques à Tabapé sur Bouyé à Zando. Bon gérer, c'est tout à fait correct. On a Bitumba Oyebunda qui n'a qu'à Union Sacrée. Mais puisque on repère ça Wessé à Zando, parce que nous sommes une formation politique sérieuse. Non mais attendez, il y a des formations politiques sérieuses. Excusez-nous, ça va. Ça fait rire. Attendez, il y a des formations politiques comme la sérieuse. Non, il y a des formations on va qu'on peut se gérer ta toilette à Zando. Et qu'on quitte pour la yonne et moi. Par rapport à combat au Bundi. Mais nous, on a déployé, je vous dis, APDC a sali campagne à chef de l'État dans les 26 provinces. Tout ça, le président va élire au niveau du conseil municipal, toi va élire au niveau de la province, toi va élire au niveau national. Et puis aujourd'hui, nous avons des sénateurs. Cela prouve l'existence d'un parti politique. Ce n'est pas un parti politique avec un nom viable. C'est un parti politique viable. Viabilité, dans moi, elle dit comment on en a par rapport à la réponse. Ils ont dit comme ça. Aux populations apaisées. Raison pour laquelle on dit que nous avons le plein droit de réclamer. Est-ce que vous avez quelque chose à préserver aujourd'hui au sein de l'Union sacrée? Qu'est-ce que vous avez pour préparer comment migrer du côté de l'opposition et préparer les échéances à venir? Non, vous avez des choses, des intérêts à préserver. Déco, quand je vous dis que l'AFDC c'est une formation politique sérieuse, je vais vous ramener dans l'histoire de 2000, dans le mandat où elle est. L'AFDC, tu manques conscient pour la rue. Nous sommes le rare des partis politiques au Tolina va siège aux alliés viables. Mais les congrès de l'AFDC
Tokéina congrès, tu désignais président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi comme notre candidat. Et puis on a mouillé les maillons. Dans ma province, Nyonso, tu as dit toujours présent. S'il vous plaît, vous avez le temps de terminer. Alors, parmi quand on est parti viable, ah ouais, tout au côté de la maman, pardon. Y'a bien, vous avez quoi, bah, tu as pas aimé. Bon. Neko, Cédric Bengeli. Maître Kunani, Neko Clément, Claude Ngoma. Est-ce que vous craignez l'explosion de l'Union sacrée? Bino Bote, la banque à Moussika, vous bien étalé Bino Tête, vous pouvez apporter PK expertise dans le local, vous savez, vous pouvez savoir conseil, dans le cadre de la. Vous venez à Ronin? Tribune. Est-ce que Mikolo Tribune est à l'Union sacrée Bimate? Bon, vous pouvez savoir conseil dans le local. Non, je sais seulement, dans le conseil, sur l'Union sacrée va s'assumer. Vous savez, en politique, un homme politique s'assume. Tango, baye na lingomba politique na bango, ba baptiser yango Union sacrée, et va peser biso gouvernement dit de Warriors, mais malheureusement, ba Warriors wana nyonso ba sali piètre figure. Et comme Monsieur le Président Tshisekedi Tshilombo ne travaille pas au profit des Congolais, à travers Kamingi na profit ya lingomba politique na ye, na ba camarade na ye. Ma camarade? Je vais dire ses amis ou soit ma copain, ma collaborateur naïe, c'est tapé, moyen, tout. C'est vrai ça. Pas au Congolais. Parce que quand je l'ai dit, Nazo Monate, 10 ans après, Congola Koukanisa, Félix Tshisekedi, Nanine. Bon, gratuité à maternité, gratuité. Non, c'est une porte, c'est une farce. Nazo Monate, les lots aux na gouvernement, mon copain. Bon, saute mon temps. Non, même pas, cher ami. Le lobe a perçu ce gouvernement Moko, Oyo, Isali composé à 50 ou 60%. Il y a Warriors, c'est qui piètre figure dans le premier mandat. Et reconduction à Bango, Bazonisi Bango, pour appeler ça Nini Yassika. Pendant 3 ans, je dis bien 3 ans, Bazongi, la critère Nini Oyo, Isali que Mokondi a réitéré Bango les sous-confiants. Ma foi politique d'elle. Écoutez, est-ce que M. Félix Tshisekedi, le président de la République, son cœur bat pour les Congolais? Je ne pense pas. Parce que la finalité action politique, nous sommes à couper sa solution à un problème de base de la citoyenne. Nous sommes le bango de mon entente, ma isalité, courant isalité, transport et mati. Fuel, carburant à bas, station service et alité, bilo cognon se zaya koumata. Et en ce net moment, la seule institution où ils ont fonctionné, ils allient présidence de la République. Voilà. Diango. Alors, Makambo que le canadien sacré, après publication au gouvernement, on l'a dit maître Sidek Pingé la Rubia, les gens ne se sont pas retrouvés. Bati Lukwebo a vu malgré comment ça. Rôle n'a joué il y a 10 dans le terrain pour battre campagne pour Nati qui dit malheureusement on n'a pas tenu compte de ça. On l'a donné ministère Moko Bouya et pour un militaire qui passe monsieur sur VPM qui passe monsieur sur on va mériter qui m'a pour la recette non bah il y a un nombre de députés important ils ont largement au-delà il y a pas critère pour qui mais on n'a pas tenu compte de ça. Est-ce que Bazan a raison que ça a frustré, par exemple, bateau ou ma déclaration, vous avez suivi une déclaration de part et d'autre. Est-ce que vous craignez l'explosion de l'Union sacrée aujourd'hui? Bon, l'explosion de l'Union sacrée, même si ça s'intervenait en ce net moment, mais les Congolais, Bakou Kalini, qu'est-ce qu'aura gagné les Congolais? Bah, on gagne le côté. Union sacrée, ils ont été pour la salle et la buisse au peuple. Union sacrée, Bazo salle et la buisse au peuple. Parce que ce basalé là qui vit ce matin a enregistré les tarots il y a 5 mois où les institutions peinent encore à être mises en place. Non mais il fallait faire les choses proprement. Oui, mais proprement, malheureusement, le camisaï qui va au salamou proprement, va venir servir sa salité. Et les lozomo n'a même pas député et commis baso ça la pétition. Moyen moko politique pour contraindre est-ce qu'il le faut président dire de la République à revenir na oizali signature. Est-ce qu'il faut dire que ces députés-là n'ont pas l'amour du Congo? Au contraire, ils veulent leurs intérêts personnels. Na ma revendication, na bango,
qui parfois sont, madame, ça, par quelqu'un parlait des ambitions démesurées. Bon, ambitions démesurées ou soit intérêt na bango personnel, na kosenga na bango kaka basse assumer. Ingolo banini. Bandi ma poto poto na bango ya union sacrée. Tu mais bah posa qui va condition tu maître c'est dit qu'il y a autour le baba. Tu as plutôt de kaya bati ou quoi bon. Est-ce que ça a raison à revendiquer quand il a plus de 38 députés, dire environ. C'est on sait que maître a réussi ça va. Il a obtenu 34 après la correction de l'arrêt matériel. Et puis, bah, reconduit, bah, député dans la circonscription électorale, parce que ça m'a quitté. Il est en train de faire les calculs qui avoisinent 38 députés. Est-ce que Bazan a raison de revendiquer pour leur donner, ne fût-ce qu'un minita, ne fût-ce qu'un VPM, bah, le bien, non, qu'on a, bah, qu'est-ce que la formation partie, moko boyo, Bazan parti politique, ou y a tangi à la terre, bah, on a rappelé à Moundabi, Isaïango, il dépèse. Est-ce que tout le bac est le lot, bah, Bazan a droit à revendiquer, ce qui au quotidien de Bango basse assimé, ça veut dire que Batika, tu basse la bonne. Non, mais revendication, ils ont droit à Bango. Va revendiquer au sein de la Lingomba politique na Bango, na quatre ya présidium. Mais déjà, présidium y a Momoko Bazali en désaccord. Et on peut comprendre que même na quatre ya union sacrée Bango Moko, injustice y a Limakasi. Pourquoi? Parce que IDP, ça veut tout abordir à temps contre temps. Ngobila avec parti politique n'a sa formation politique ACP avec 12 députés nationaux, zéro poste ministériel. Et est-ce que Kanaï ou Ezali Kosala, CG Kabuya, et Longo Naï DPS, ils ont favorisé l'unité nationale? Est-ce que. Mais ils ont Kanaï. À un moment donné, tout ça la Makambo bien, tout ça là. Est-ce qu'il expose les chefs de l'État n'a pas pression, dire n'a pas combat politique n'a pas venir, n'a jour à venir, ou carrément il sait qu'il est présent, fini son mandat. Bon, certainement qu'il y aura un dauphin, et puis ils verront comment organiser les choses pour qu'il y ait passation de pouvoir. Point barre, ils n'ont pas besoin d'appui à bateau, ma partenaire politique n'a pas. Conclusion, est-ce qu'il dépèse, est-ce tout le bas, si c'est qu'il dit, joue frangé aujourd'hui, vous avez un partenaire naïf. Mais non, je sais qu'il dit, ne joue pas frangé vis-à-vis de ma partenaire. Et ça, c'est de un. De deux, je sais qu'il dit, n'arrive pas à gérer les ambitions au sein de sa formation politique, dite Union Sacrée. Trois, au sein de l'Union Sacrée, les collaborateurs du chef n'obéissent pas au chef. C'est vrai ça? Mais il y a signé ordonnance de Niaibi qui, par exemple, ACP a se retrouvé, alors qu'il est censé connaître, il est mieux informé. Alors, le mieux informé de tous, pourquoi n'avoir pas, par exemple, dire, bon, comment vous ne mettez pas l'APDCA ici qui a autant de députés, nous, au Tchoukoulobawa. Est-ce qu'il se fait à dessein? Si oui, motivation des gens, c'est maintenant. Non, d'abord, un, il y a un coup pour que tous les lingala, tous les gens lingala, ils allaient un coup. Oyo, IDPS, na coordonnateur y a Union Sacrée. Monsieur Augustin Kabuya, le CG de l'IDPS. Oya Kosa. Ah, même moi, président AIP. Voilà. Osomon, alors. Qui c'est là, le président AIP? Tale loko moussou se zadia. Tozan a ba ministère. Et loko ni ni salga ke. INC banda kanga budget etika la kayaye. Pourtant, ma pista qui va le conseiller qui vient à l'objet à Kibaba qui a qui faussement autorité morale là et Maradona. Oui, mais pourquoi Maradona? C'est là, c'est là. Mon cher ami, BJ Banda 2016-17, hein? C'est pas 2011, hein? Oui, ils ont la carrière INC travail et prévoyance sociale. Ils ont la carrière AFDC. Et le transport, et ça l'a qu'à FDC. Mais, nous avons mis tout dans le monde. Ce qui Félix a eu, et que nous avons eu, nous regardons, na liste de papiers. Vous pensez qu'il le fait superficiellement ou il est superficiel en ce qu'il fait? Mais non, il n'est pas assis. Non, le chef n'est pas posé, il n'est pas assis. Parce que Yemoko tout le temps, il est entre des avions. Le chef a du mal à rester dans son bureau son bureau qui est le cadre idéal et à travail donc, à ça la 3h 4h du temps bosser non. Rapidement madame Sarah Zomaloba, pour nayo vraie raison
y a un canal Yohan Eganimi. Parce que Tshisekedi n'a besoin de personne, ses partenaires ne comptent plus pour lui. Il a fait un dernier mandat. Et qu'il n'a rien à attendre de qui que ce soit. Non. C'est-à-dire Kanayo Wana est Zaporani. Kanayo Wana Isali Pona Kolembisa ba o musu bazo kanisa baza makasi. C'est pas bâti. Et un vrai calculateur. En fait, Kanayo Wana est à quoi faiblir ba o bazo monaki zaba fort. Au moins même ben baza frustré. Ce qui seulement ba wazale nona ba FRDC ba sali musala malam. Ils ont équipe gloire à Bepa. Mais Balongoli et Wana, va-t-il un transport pour aller gérer les Weiwa et autres? Non, mais il faut dire que Bemba, c'est un technicien dans le domaine, il y a transport. Du technicien par rapport à la gestion, il y a ma compagnie aviation, compagnie aérienne. Il a le il faut reconnaître que le domaine de transport, c'est un domaine vaste et qu'il y a des secteurs où il y a bien gros. Pour les cas parenthèse, pour dire que l'Union sacrée et ont travaillé pour la profit et à Bissot Bakongomani. Ça c'est de un. De deux, M. Félix Tshisekedi, 10 ans à Kosala Namboka, na Bissot Nazoko Mituna, Tata Mokonzi Ekolo, Tao Kolanda Ngate, na Ekeba Service No Ekolanda. Luka Otika, Babi Lembo ya bien, Oto Bandoko Benga Sisabidim. Mais qui s'y koyo? Oui, Berera passa aux ongles, la tema bando salasko Berera Sika. Madame Sarah Soumbé, vous avez le côté dans le gouvernement, hein, par rapport à la poids politique Nabino. C'est normal que vous s'est contenté dans 3 postes Nabino. Il y a député national provincial et sénateur. Donc, vous avez le lobby, parce que vous avez mes alliés qui ont tenu compte de la poids politique Nabino. Vous avez un parti viable. Ça n'a rien à voir avec ma parti viable ou non viable. C'est la Bibino, vous avez le réglement, il y a beaucoup plus de 5 députés. Est-ce que moi, tu n'as pas là, c'est plaindre, on a bien réclamé le quoi. Ou soit mon autorité morale a réclamé le quoi. Moi, je ne suis pas dans ces débats, dans ces guéguerres, nous ne sommes pas là. Et donc, voilà. Mambo, Cédric Bienguel a l'oubli. Marambounia, son levé, ça a l'oubli. Le problème, c'est que. Modeste Bahati, c'est un peine à jouir. Je reprends. Monsieur Modeste Bahati, c'est un peine à jouir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'a jamais été satisfait. À ton d'apaté. Est-ce qu'ils ont raison à côté? Il veut. Vie poids politique, n'est pas je vais poser, je vais dire un peu comme mon co-débatteur à côté de vous. Maître Claude Ngoma. Est-ce que. Bon, là, le baron a dit une chose. Aujourd'hui, les politiciens congolais, ils travaillent pour l'intérêt collectif ou bien ça, là, pour l'intérêt d'un bon personnel. Là, après cette question, j'ai beaucoup des idées. Donc, avant, normalement, je voulais vous demander, donc, tu es un journaliste, de me laisser vraiment le temps de parler. Allez-y. Voilà. J'étais en train de dire, mais c'est Bahati Modeste, c'est un peine à jure. Bah, il y a un peu de qui va respecter Bangote, va passer Bangote au ministère comme il s'est dévêté parce que. Sur base de quoi? Maintenant, on va députer. Attendez, s'il vous plaît. J'arrive. Moi, je ne suis pas dans ma bonne nombre. J'ai posé la question. C'est pour l'intérêt du peuple, c'est pour l'intérêt de l'individu. Mais c'est moi qui ai dit le mandat passé n'a été sur le ministère combien? S'il va venir aujourd'hui à réclamer le ministère, il était président de l'Assemblée et à Sénat. Qu'est-ce qu'il nous a donné? À part que la hauteur et la loi à Bakaba Kaba. Oui, mais c'est ça, on voit que le Romoro, il y a voté loi encore, il y a un Kolongo là-bas. Barré. À part que la hauteur et la loi à Bakaba Kaba. Qu'est-ce que M. Modeste va dire? Il y a vente, commercialisation. C'est ça. Non, c'était pas ça. La Congo, Awa. C'était une manière. Non, s'il vous plaît. Quand vous étiez en train de parler, j'étais poli. Allez-y. Hein? Donc, quand on vous dit, donc, moi je pense que M. Modeste Bahati, quel que soit poids politique, naïe, il n'est pas un modèle. Tout le monde est calamité à Waboué, administrateur et à Sénat. Il y a ces faits-là qui, par rapport à départ à M. Modeste Bahati, le Kouébou. Qu'est-ce que M. Modeste Bahati a-t-il qui n'a Sénat Lélo en termes d'empreinte? Et puis normalement, M. Cédric Bienguele, vous êtes un jeune.
il a dépassé les mystiques de l'existence. Parce que naturellement, même les études ont prouvé qu'à plus de 80 ans, nous avons développé la maladie, une maladie d'Alzheimer. À combien on peut monter? À combien on peut monter? Même lui aussi, Azad Jana Katia Louana. Parce que, comment on a besoin de jeunes, moi je ne pense pas qu'on peut avoir un problème. Mais attendez, madame Sarah. Non, attendez. Je ne reste pas parce que lui n'avait pas raison. Justement. Bien sûr. Parce que, avant que le Ramakam Naïma, parce que ADH nulle part. Ailleurs, pour réclamer poste, ailleurs, pour réclamer, parce que ma personne ministère, nulle part. Mais à rappeler qu'à qui nous ne sommes pas des peines à droit, Bazan a droit à pour réclamer. Nous ne sommes pas des peines à droit. Est-ce que, madame Sarah, vous êtes d'accord avec moi que ma règle est à Jésus qui respecte tes. Quand on a dit du ministre, 10 députés nationaux pour un ministère, va-t-il que vous n'a-t-il pas droit de revendiquer que si le 38 députés. Moi, est-ce que vous comprenez où je suis? Moi, je ne suis pas dans ça. Justement, il faut être dans ça. Non, je ne suis pas là parce que. D'ailleurs, on n'accorde même pas la CIS. Je m'adresse plutôt à M. Cédric et à son autorité morale. Les Maradona. Et puis, attention, il va respecter l'ordre du GT. Mais ça doit aussi dépendre de la compétence. Comme en gros, il y a aussi un peu ça qui déjà, pendant que Ozaki n'a pas un ministère, s'occupe combien, pendant que Ozaki, président du Sénat, qu'est-ce que lui a donné? Et puis, naturellement, il y a un modèle, c'est un peu parce que aujourd'hui, le Congo a besoin d'une nouvelle énergie. Donc, c'est tout bien, on le laisse au niveau de la modeste et basse du coup. Donc, vous créez l'explosion de l'innocence. D'accord. Je vais vraiment faire une analyse objective. D'ailleurs, premièrement, je commence par dire merci à la présidente de la République parce qu'elle nous a changé en masculinité positive. Aujourd'hui, nous avons Mme Judith comme ministre, Mme Premier ministre, et aussi la carte à gouvernement, tout le monde qu'il y a Basipe Baza et Béni. C'est déjà un bon début, même si ce n'est pas. Plus de 30%. Voilà, même si ce n'est pas tout, mais aussi, j'aimerais aussi dire aux femmes que, parce que le problème n'est pas seulement le président de la République. Le problème, c'est qu'il y a 10 mois. Bah, on ne va pas faire ça ministère, même non comme président de la République, mais ça va dépendre aussi de ce que vous avez comme. Compétences, de ce que vous avez, on ne peut pas faire mal à vous pour l'émergence ou l'épanouissement, il y a un beau cas. Mais aussi, je dis aussi, je félicite le président de la République parce que son talipé n'a pas trop été nommé à tenir un peu base compte pour le profil. Par exemple, nous avons un ministre de la Santé, un neuropsychiatre, il est d'ailleurs professeur des universités, ministère et à jeunes, bah, si on peut dire, beaucoup bien même qu'on dit la jeunesse c'est un état d'esprit. Mais aussi, je pense qu'après ça, on a beaucoup, il y a une jeune dame aussi, la félicité. Mais pour un autre motif, je suis un peu mécontente. Par rapport à Batou, alors que jadis, on a un mandat, parce que je suis congolaise, peut-être je n'ai touché point sensible. Vous faites quelque chose. J'arrive. Par exemple, M. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, tout ça, les confiances, le président de la République, après s'il est ministère et la défense. Comme ancien combattant, a aidé moi ma technique et bélier à guerre et tout et tout. Mais. Résister il n'est pas un ancien combattant. Quelle dénomination vous utilisez là? Ancien chef de guerre. Chef de guerre, ah d'accord, merci. Mais moi je pense que à quoi qu'on peut s'habiller sur le résultat au peuple avant de l'année. Donc, Azaï qui au-dessous au fait. Parce que jusque-là, pendant que tu as l'émission, Massa c'est au bêta. Bande qu'on a vu ce belé, bazo koufra. Et Namoni apport positif au fait, il y a M. Jean-Pierre Bembaté, le ministère de la Défense. Mais aujourd'hui, comment tu sais que c'est le ministère à transport. La question que je me pose, est-ce qu'il sera à mesure de relever le défi? La difficulté à transport au dosan on a beaucoup, parce que déjà si je signale que Ngobilam Tazaki comme gouverneur à ville, à Kepena et Bureau, n'a pas tiré pour définir. Il faudra aussi passer. Non, vous allez arriver. D'accord. Il faudra aussi passer au ministère de la Défense. Il y a un document de résumé à ma réalisation Jean-Pierre Bemba. Je mettrai ça. Parce imaginaire que, ou. Non, je dis des réalisations de Jean-Pierre Bemba, passage dans le ministère de la Défense. Il faut dire qu'il y a eu des avancées
monter à puissance, même RDC et Matina, ordre dans le terme, il y a rang, il y a force, il y a armée. Donc c'est ce que vous avez suivi. Je suis beaucoup plus, pratique. Justement, on a le mis, la montée en puissance, l'infardation de Fondi, intégrité territoriale, intégrité d'Abisso, on va partir, il fallait tout perdre. Vous savez que Goma a un moment été menacé. Parce qu'on ne parle pas de bilan des ministres passés, nous allons y revenir à long et à large. Alors, Makabotali, j'étais en train de dire ceci. Allez-y. Jusqu'à la Bounaga ne sait combien de temps sous l'emprise il y a un peu. C'est pas Bemba qui a cédé Bounagana. Bounagana. Mais qui est-ce qu'il y a un Congolais qui avait cédé Bounagana? Oui, mais je vous informe que le président de la République a cédé Bounagana. Je vous informe. Qui est ce Congolais qui avait cédé Bounagana? Je vais vous citer. Le colonel Désiré Lobo est en train d'être jugé. Je présume même qu'il a été déjà condamné. Maître Je vous informe que Bemba étant nommé ministre de la Défense, je vous informe que Bounagana a déjà été occupé. Et puis, Bato, Fundaki Baron à l'État congolais qui va céder Bounagana. Parce que Bounagana, c'est l'État qui est occupé. Là, on va récupérer parce qu'il y a eu un coup de Jésus. Il faudrait poser la question au chef de communication. Je promets de faire venir le communicateur. Il y a MLC, on va disposer, résumé. Il y a la réalisation de Jean-Pierre Bemba. Alors, j'aimerais savoir la place des Baïndé aujourd'hui. Vous êtes de l'ADH, parce que vous parlez de quoi? De la position de l'ADH vis-à-vis de la situation écologique. Vous ne craignez rien, vous dites que vous n'avez pas à reprocher à la... Vous avez plutôt à reprocher à Bahati, vous reprochez aux revendicataires Bahakounouka intérêt personnel à Bango. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la crise au sein des ministres? J'étais en train de dire ceci, que je vais faire une analyse objective. Faire partie à l'Union sacrée, c'est-à-dire que aux alliés, tu es dans une obligation, oh, il faut toujours défendre l'Union sacrée. Non. Aujourd'hui, le président de la République a dit que dans l'Union sacrée, il y a que beaucoup plus d'intérêt à Bango. Les députés, il y a l'Union sacrée, je précise. Pétition. Est-ce que vous pensez à la pétition du gouvernement où ils n'ont même pas investi la Bango et l'Assemblée nationale? Ça n'existe pas. Règlement d'ordre. Je pense que ça, article 107, il y a règlement d'ordre et l'Assemblée nationale. Au point de la pétition, c'est contre le gouvernement ou les universités. Et s'ils peuvent faire échec, s'ils veulent plutôt faire échec le gouvernement, ça sera peut-être par motion de censure et non pas la Nini. Ils ont peut-être l'article 90 de la Constitution, il y a justement qui est vérifié. Donc, il y a les acharnement en fait. Acharnement, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec Makambouyani, parce que à l'Union sacrée, le président de la République peut bien comprendre que ils ont intérêt à Bango, mon connaît ils ont primé. Et moi, je pense que si le président de la République doit continuer à faire confiance à l'Union sacrée, bilan est que ça peut toujours échec. Je soutiens le président de la République, certes, mais je pense que la vérité, c'est une manière pour moi, vous savez, qu'il doit être en fait attentif par rapport à la plainte, il y a peuple. Il doit répondre plutôt aux exigences du peuple et non pas à Kenekozalara, non parce que lui il avait moué le maillot de Kenekozalara qui vient de la haute lobana. Est-ce que vous avez un petit peu de J'étais en train de dire, je l'ai dit, c'est aussi qu'elle est de l'autre côté parce que nous ne sommes pas des peines à jouir. Moi, la place aux Ali, en fait, je pense que c'est tellement facile pour nous d'apporter notre part pour le développement en Boko. Parce que Moutou, moi, quand tu as développé comme Boko à 100%, et Zala, ou à Sali, même Moutou à 4 aromatiques dans Zela, même un chef coutumier, à Sali par Naé, on a connu à Sali par Naé, petit à petit, pour Monique, Mboka est comme il émerge. Allez, on va prendre les interventions. Et donc, nous nous contentons de ce que nous avons. Et je vous pense avez que trois. Nous avons un député provincial, un député national et puis un sénateur. La même personne. Nous sommes en matière de la CPI pour l'année. C'est une avis. Mais attendez qu'on va réviser la d'abord, constitution. D'abord, c'est lui le titulaire. Si ça sera fait, bien sûr. Là, peut-être, mais parce que jusque-là, la monnaie, c'est comme on était officiellement, comment on a mouvé, que non, voilà. 82-33-33-749, rapidement, toujours quelques interventions. On va clôturer l'émission.
Voilà, tout premier numéro de la semaine, Moukoula Lelo. Je rappelle que nous recevons pour vous dans ce studio trois invités, Maître Sidek Benguile Bongongo, Azali Bongo, il y a Moï FDCA, il y a Modeste Batil Kobo, Deko Claude Ngoma, Azali, le communicateur PKB, il y a Nouvelle-Élan, il y a Adolphe Mozito, puis Madame Sarah Sombi, Azali, porte-parole nationale, il y a ADH, il y a Jean-Claude Bayende, les trois fois unis. C'est ça? Allez, allô, bonjour. Nous. Allô, bonjour. 82-33-33-749. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? 82-33-33-749. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Neko. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, de Cobonner. De Copernic, ma carte à vous. La petite invitée, mon Dieu. C'est un mot de mon très spécial. De Conabiso, le frustré, de Gongoma. Oui, attendez, qui m'a put à l'eau, la moitié à zoo, mobile à zoo, pour jour après deux fois, qui va sauver le mot, mon amant put à Anna, va sauver à mon aïe pour ça, justement, va désolation et un plateau. Ne vous pas de la question. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Allô. Allô. Bonjour, je vous remercie. Je vous remercie. Toujours, quand même. Allô, bonjour. Allô, 82-33-33-740. Allô. Allô. Bonjour. Bonjour. Nous avons toujours encore un gars comme bonheur. Oui. Comment ça? Ah oui, parce que il y a des invités là. Oui, mais ils ont point d'invité, ils ont une allégation. Ce que vous pensez, c'est une allégation, il faut avoir une information précise. Ah ok, mais la compagnie qui est sur la carte, parce qu'il y a une attention dans le bilan et le ministère de la Défense. Pourquoi ça, le ministère de la Défense? Ah, oui. Le ministère de la Défense, c'est un déconneur. Je comprends. Claude Ngoma, allô, bonjour. Bonjour, c'est vrai que la patine à allô, bonjour. Allô. Oui, allô. C'est toujours quand même. Bon, on a le 23 mois, maman. Moi, ça me fait beaucoup. Et ça, tout le monde, et ça, le numéro 1, c'est Félix. Je suis tout le monde. Dans mon tête, ça pose ici, mais c'est que ça, ça me beaucoup. Collaborer. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Bonjour, Ndeko Papi. Ndeko Papi, tozo. Mais là, c'est le Bino Kaké. Ndeko Papa, il y a un Bino Kaké dans la radio. Papa chante Demba, à Sala Guerre, puis à Sala Rébellion. C'est différent. Sala Guerre, c'est la suite. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Ndeko Papi. Je vais faire pour Papa André Nassele. Nassele, tozo Kaké. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Ndeko Tozo Kaké. Je ne peux pas beaucoup la maladie d'avoir mes concerts à l'Union Sacrée. Tu as mis Ndeko Bandoumi à l'Union Sacrée, moi quoi à l'opposition. Est-ce que vraiment, pour ça, le gouvernement, il faut que vous travaillez dans la zone. Pour ça, il faut que vous travaillez dans le gouvernement, vous avez un ministre. Hein? Vraiment, je ne peux pas beaucoup la maladie d'avoir. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour, de bonheur. Après, si on peut nous faire éviter un bon pied, il s'agit d'un ami sur la rave. C'est pour la ligne, c'est tout qui passe par le temps pour critiquer les barils à la ligne dans la machine. Vraiment. Nous avons un machacha. Non. C'est la grâce de la ligne. Nous avons un militant, mais nous avons un journaliste. Vous avez un cartique à la boutique à vous. Nous sommes tous à la boutique. Il y a une boutique qui est dans le sous. C'est que ceux qui ont monné des abonnés, vous avez un petit salut à la ligne. Pour les combats, nous avons des opposants et des chauves-souris. Allô, bonjour. Allez, on va finir justement. Allô. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, Ndeko. Oui, premièrement, la félicité, Madame Sarah. Merci. Ensuite, Madame Sarah, il s'agit de l'Iko, à Salopsala, dans le centre politique, si nous critiquons Jean-Pierre Bin Banabat, il y a une fois, il a peu de place pour la communauté. Donc, intérêt général, ok. Hein? Merci. Bébé, tu peux te le babouer. Tu dois interpeller le président de la République. À la Côte d'Ivoire, à la Sénégal. Nous avons un premier mandat, un deuxième mandat. Ah, ça, les amis, papa, il a été saqué. Sinon, on connaît le sort, il est peut-être connaît le sort, il y a Afrique du Sud. Allez, l'avant-dernier intervenant de l'émission. Allô? 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 Oui, allô? Allô, de vos bonnes, il y a des gens qui vous ont fait ma commune en matinale. Là, on a envie de parler. Il y a des boussons à l'écriture, il n'y a pas de Claude Ngoma. De vos Claude Ngoma. Ministère et à transport, et là, ministère et à Baoué ou à même la bâtisse à l'insécurité. Le ministère de transport, autant la OGFREM, autant la RVM, autant la RVA, et on doit parler à l'IVE, à la société, à l'aviation et à la Katani, Tawa. Tout ça, c'est dans les transports. Ils ont dépendu d'un gouvernement à Dilaki, Jassa, Naba, Badessa, etc. Ça, c'est les RD2. Moi, mon gouvernement, dans l'Union, ça fait ça pour la Félix Tshisekedi, qui a dit trop démocrate, à l'Ingoyo, qui n'a pas dit la Mingi. Peut-être les rêves d'un des Yahouan, à vu le mot des mots, qui est par conséquence. Et puis, dans la constitution, où est-ce qu'ils sont? Les gens, ils ont dit, oui, la situation en avant. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, de votre combien de Allez, on a fini. Ndeko Cédric Bengeli Bongo, tout comme la Souka. Puisque la solution est au Kibandeko, Malo Bombo Kayo.
D'abord, merci beaucoup Nawande Konyo, on va intervenir dans la voie à téléphone, le moyen d'Abino. Et puis, Nali, qu'on précise par Madame Sarah que le procès modèle se bat à la qui est la présidente du Sénat. Na, bah, attribution, na, il n'avait pas la qualité à empêcher les parlementaires de réfléchir. Quand un député a sali proposition à la loi n'importe la transplantation des organes et de tissus de cellules. Ah oui. Hein, c'était d'abord honorable Kaoumba Bernard. Ce n'était pas le procès modèle. Peut-être qu'il n'était pas informé sur le temps. Il faut s'informer. Un soir qui n'a pas d'arana. Tu es pour Kende, l'élo, ce qui se passe au centre de l'Union sacrée. Bisso, toi, lui, qu'on déclarait ma poste était. Non plus te mettre intérêt à Congo en cause de. Tu occupes que tu as pays en situation de difficulté parce que tu as mis sur les protocoles. Mais ce que nous demandons, il y a respect à Oezala qui est à Kolobama. C'est-à-dire, il y a une mouvement politique qui est en Kolobama. Pour l'ami, vous avez un nombre de tels de élus, pour attribuer un poste de ministère à tel. Mais si respect à l'élite, il y a une raison pour laquelle tu as un ambassade à l'élite, va rectifier, va corriger. Et puis, c'est que tu as un peu de Pensez que vous avez le consulté, vous avez dit que vous avez dit que vous réclamer dit que vous avez 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 dit ADH. Oui, c'est tout à fait naturel. ADH, comme Baba de Bansa, ça veut couper sa même administration à Baba de Toilette Saint-Jean. Oui, man, et Managa. Ok. Tu as combien de souvenirs de l'opéra de Gaulle? Très bien. Remercier d'abord Aïm Bokanyan sur la pénible et sur la fête. Remarque, on a bien une observation, mais Boti, quand on a éclairé Bino, justement, on a éclairé Bato, Congoman, il va y être. Que nouvel élan, ils allaient partir à opposition. Mais, et c'est que l'Iboué, opposition, ma bisou, elle a rendu n'est ce qui est là, ils allaient, c'est le gouvernement. Alors, tout roule la transport. Ce qui est transport, il quitte. Carburant, zongi, bloc, il quitte. Tout roule, t'as ma beaucoup. Tous en opposition, au thé, dans mon aka, bolamou, n'a ma venion, c'est du macamouin de thé. Néango, bon lima, qu'on souffrir un peu dans opposition, madame nouvel élan. Oyo, tant que Sengel ko critiquer, tu critiquer, tant que Sengel ko féliciter, ce qui est bon, Ezali, tant que féliciter. Alors, nous avons pour conclure que le gouvernement Oyo, le col Ezali composé na 60% na ba warriors ou ba ishwaki, na premier mandat, et donc na deuxième mandat, M. Félix a l'autre doté que à cause des locaux. Ce qui a lingi, a dit que le Congo est malamou na mouto ba congolais, je pense. 3 mois, et vous allez soumouper à été à remanier gouvernement. Vous avez compris? Parce que le gouvernement, ils ont créé la frustration au sein de l'Union sacrée. Et ma ponomite, vous avez dit que en 2023, décembre, et créé la frustration, et frustration plus frustration, ils ont le mot la vie sur cohésion nationale, ils ont le mot la vie sur unité nationale. Et donc, le patron, les moutakoui, qui ont sauvé. Unité nationale. La vie possibilité, corruption et matériel, peut vous aller. Oui, mais après 3 mois, on va investir au gouvernement et puis le président, après 3 mois, Kokina et Peko remanier et donc vous allez m'abéter. Madame Sarah Songhet, comme la Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Nabatunos Obadengaki. Alors, je vais commencer par dire ceci. Mais comment est-ce que vous avez dit 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 que vous J'aimerais préciser que aucune raison du monde ne peut nous pousser. Et Bemba, preuve, les gens parlent de Bemba ici. Ce qui va toi, MSC Bazali, alors si c'est un sujet à l'ordre du jour, on peut l'évoquer. J'évoque toujours les sujets, ce qui bateau, ou le bateau qu'on le met la bateau à Bazali. Et nous ne sommes pas du MSC, particulièrement, et les gens qui nous suivent, qui me suivent, savent que en aucune fois, nous faisons obstruction à bateau qu'on le met la Bemba. Alors, seulement quand vous faites des allégations. Vous faites des allégations et vous tenez des propos du genre dégradants, le ministre Wawewa, ça ne peut pas passer. Non, mais vous n'avez pas ministre Wawewa. J'aimerais apporter une décision par rapport à un dégradant. Moi, je ne fais pas de débat de carnivore. Mais en fait, je donne mon point de vue, ma manière de voir, quand vous allez dire des allégations pendant qu'il y a Bounagan là-bas, les gens meurent, donc vous vous contredisez. Donc, Bemba n'a rien apporté concrètement par rapport à la question.
Nous voulons voir, tant Bataki en tant que chef de garde, il y a de quoi rectifier. Ah, pour ton garde, il y a un chef de rébellion. Chef à rébellion. Là, ça n'engage que nous. Donc, le gars, comme on a guerre et cela, c'est la chose où il n'y a jamais refaire. Donc, ceux qui ont le Melaka, aujourd'hui, ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais quand il fait partie à gouvernement au Ebimi, il a été nommé comme ministre des Transports, n'est-ce pas? Alors, selon moi, je pense qu'il avait échoué la défense. Le ministère des Transports, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il est aussi beaucoup disent de lui, un peu comme nous disons. Justement, mais il faut rappeler. Alors, vous êtes devenu journaliste. Non, mais il faudrait vous relancer. Comment vous parlez de quelqu'un? Vous êtes. Je suis désolé, vous êtes l'ADH. Non, madame. Beaucoup de gens l'ont critiqué. Vous n'êtes pas communicateur. Eh bien, invitez-moi ici. On ne parle pas de Bemba aujourd'hui, madame. Il fait partie de ce nouveau gouvernement. Je pense qu'il n'a pas apporté en fait la solution à l'Est et à quoi apporter la ministre. Donc pour moi, il a échoué, de même qu'il va échouer dans le ministère de la Défense. Donc c'est seulement Bemba autour de Bemba que vous voulez parler. Non. La conclusion, c'est pas autour de Bemba quand même. La conclusion, c'est par rapport au gouvernement. Par rapport au gouvernement, j'avais dit au début ici, il y a des avancées, certes, mais ils appellent la Batumutus au Bazongi. Alors, je vais leur demander tout simplement de travailler pour l'intérêt. Et tu n'as pas mérité à Zonga, selon eux. À part Bemba, à mériter. Non, je ne suis pas. Non, le Bazongi, je parle maintenant du peuple. Alors, que le gouvernement travaille pour l'intérêt du peuple. Au contraire, je pense que le président de la République dans 3 mois ici, ce qu'a montré que ça ne sera pas possible qu'il va relever ma défi, il peut changer parce que ça doit aller. Merci infiniment à vous tous, nous resterons journalistes. Nous ne sommes pas du MSC, mais quand on veut parler de quelqu'un, la moindre des choses, c'est d'avoir des éléments. Dit par exemple, Bemba a trouvé telle situation, il n'a pas fait ça, mais.